Na kraj padnu, gdje se i smutek donijelo i rano utek, gdje ti hvore zimaj zrak, dok čega žir ne staje prak. Už se i moji slabi muži, ne htjel bih bejbje i kuži, na vjetru jedno, a kad si na vjetno, a Bože ne si ubi jako posljednji. Hey, salut tout le monde, c'est Recho et on reprend la quête d'Henri, la quête traduction, traduttore, traditor, voilà, où on a récupéré le vagabond pour traduire ce qu'il dit le hongrois. Et finalement, on s'est aperçu que c'était un piège, puisque le hongrois voulait nous amener à un endroit, et certainement que ça pue la merde. Finalement, on a réussi à convaincre le traducteur de nous dire la vérité, et apparemment, le butin se cache dans un... On arrive opposé de raté, donc dans la zone, et je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que on peut emmener le hongrois, et il me semble, si je dis pas de conneries, que le hongrois va m'amener à la vraie cachette du magot, et non pas dans les emmerdes. Ouais, vas-y ta gueule. Parce que si jamais on le laisse nous conduire à la cachette et qu'on n'a pas décelé le piège, à mon avis... Mais je ne suis pas idiot. Non, mais va. Voilà. Cela dit, je n'ai pas prévu de me balader en forêt toute la journée. Indique-moi l'endroit exact. Et pas de coup fourré, c'est bien compris? Hein? Mon Dieu. Allez, bon sang, au travail. Et ne t'avise pas de tenter quoi que ce soit. Suivre le couement, et voilà, il nous emmène à la planque, enfin j'espère. En tout cas, ça a l'air d'être le bon chemin. J'espère qu'il nous en... C'est là. C'est là. Attention à toi, couement. Hein. Oh putain. Je sais pas pourquoi, mais j'espère que c'est pas un piège. Attends. Ouais, la rive opposée de raté, ça a l'air d'être ça quand même. Et là, on descend vers... on descend. C'est peut-être vers là. Peut-être qu'il m'emmène pas vers le piège. Oh, ta gueule, il avance. Le problème, c'est que moi, je peux pas avancer au même... Ah, si, je peux avancer au même rythme que lui. Et pourtant, j'ai une armure complète et j'avance plus vite que lui. Allez, bouge ton cul! Couement de merde! Tihamer? Ouais, Tihamer toi-même. Tu vas voir, Tihamer, ce que je vais te faire. Alors, la vraie question après, c'est qu'est-ce qu'on se fait de ce couement? Est-ce qu'on le bute? Ou est-ce qu'on le livre? Je sais pas trop. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait de ce couement après, hein? Est-ce qu'on le... Non, on va pas le libérer quand même, espèce d'enfoiré. Bon, après, lui, bon, c'est qu'un soldat, hein. C'est pas lui qui décide, hein. Oh, je pense qu'on se rapproche du but. Est-ce que je l'exécute, genre, brème sur place comme ça, ou est-ce que je le ramène... Je le ramène à rater, parce qu'il y a un moment donné, dans les choix de dialogue, on a le choix de pouvoir le ramener à rater. Ou est-ce que je fais justice moi-même? C'est ça. C'est ici. Ouvrir. Un antidote. Oh, des gros chaînes. 800 gros chaînes de Schnapps du Sauveur. C'est maintenant que ton destin va se jouer. Again? L'exécuter. Qu'est-ce qu'on fait? Le livret a raté. Est-ce que je vais... Je sais pas. Ouais, je vais le livrer à rater, comme ça il va souffrir sa mère. J'ai eu ce que je voulais et maintenant nous allons nous rendre à rater, mon ami. Je vais t'emmener dans les prisons de rater. Bon, en vrai, je pense que la solution la plus RP, ça aurait été de le dézinguer sur place. Mais bon, le dézinguer sur place, ça apporte pas grand-chose, alors que si je le livre à rater... Comme l'a dit Henri à l'épisode précédent, peut-être qu'ils ont un vrai interprète et qu'ils vont pouvoir lui soutirer des informations. Alors, ça y est. Le livret a raté. Et où ce connard? Ah, il est là, ce bâtard, voilà.
Enfoiré de fils de flûte. Bon, ben je m'en vais. Et le bailli. Il y a le bailli quelque part ou pas? Oh bordel. Oh bordel, c'est où ce bazar? On est chez le bailli là? Non, le bailli. Le bailli, à mon avis, il est en train de pioncer. Bon, ben le bailli, on. Le bailli, on lui parlera une prochaine fois. Oh, bonjour. À moins que ce soit lui, le bailli. Il est là. Ah, il est là, le bailli. Je veux lui parler au bailli. Je suis heureux de vous voir. À propos du couement que je t'ai ramené. Je viens au sujet du couement. Ah, c'était donc vous. Eh oui, c'était moi. J'imagine que vous êtes venu chercher votre récompense. Mais tout évidemment. À tout à fait. Je n'aimerais pas être à sa place, c'est moi qui vous le dis. C'est le premier couement qu'on nous apporte en vie. Mais malgré tout, aucune fleur ne sera faite à ce monstre. Bon, ouais, voici votre on va lui désinguer la tête, le torturer, le faire souffrir. Sans gros chêne, très bon ça. On va en profiter pour demander si... Maître Bailly, il ne se passe rien de particulier par ici? Rien qui mérite d'être signalé, Dieu merci. Bon, ah, ok, d'accord, il n'y a pas de quête en cours. Par contre, je suis dégueulasse. Allez, bouge ton cul. Je suis dégueulasse. Je vais me faire un brin de toilette. Et je vais... Je vais retourner voir le meunier pour récupérer ma fameuse récompense. Voilà, on y est. Le meunier, je le vois, il est réveillé. Tant mieux. Je vais lui apporter sa récompense. Je suis de retour. Coucou. C'est ce que je vois. Alors, vous l'avez ? De quoi ? Ah, on peut essayer de l'arnaquer. Désolé, je n'ai rien. Je ne l'ai pas encore trouvé. Donner la moitié du trésor sans gros chêne, alors que j'en ai récupéré 800. Eh oui, il avait caché un beau pécule, le gaillard. Tiens donc. Remettez-moi ma part et nos chemins pourront se séparer. Tenez. Magnifique. Ravi d'avoir fait affaire avec vous. J'aurais pu faire l'enculé et tout garder. Mais il me semble bien... Il me semble bien que... Que j'ai récupéré plus de 200. Attendez, ils sont où les gros chênes? Ouais, voilà, c'est ça. Ici, dans le prix, il y avait marqué 800. J'ai récupéré 800 gros chênes. À mon avis, dans la toute première version du jeu, on doit en récupérer que 200. Et du coup, on lui en donne la moitié, ça fait 100. Et je pense qu'ils ont dû vouloir un peu modifier le butin de cette quête, qui est, parce que 200 c'est quand même de la merde, hein. Enfin 100 même c'est de la merde, et du coup ils l'ont passé à 800, par contre ils ont pas modifié le dialogue, et du coup on lui donne 100, et nous on en garde 700 pour notre gueule, donc c'est plutôt bon, c'est plutôt bénéfique, plus les 100 ou les 200 que m'a filé le bailli. Du coup je pense que niveau quête là on est pas mal. Là, il y a un donneur d'activité. Un œil off, il n'y a rien. Ça, Talmberg, il y a des quêtes. Ah, Usis, il y a peut-être une quête. Rovna, tout ça. Ah, il y a toujours la quête de Scalis. Ce que je peux tenter de faire, c'est, vu que je suis pas très loin. Je suis où d'ailleurs? Ouais, enfin non, je suis pas très loin. Si, je suis quand même assez loin. Je pense que je vais aller vers Samopêche. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, ah oui, mais là, on a le meunier. On a le troisième meunier qui nous file des quêtes. Est-ce que je fais les quêtes du meunier? Allez, je vais y aller. Je vais y aller et je vais essayer de faire la première quête de ce meunier. Voilà, on est arrivé au moulin. Donc, c'est le meunier Simon. Simon! Comment il va, Simon? Dieu me protège. Simon, est-ce que tu as... J'ai des objets. D'accord. Ouais. Quelque chose. La règle de Saint-Nicolas. C'est quoi? La compétence traitant sur le vol à la tire. On va se l'acheter, tiens, parce que boah, ça coûte rien. Voilà. Niveau... On n'a rien à lui refiler, par contre... On n'a rien à lui refiler, alors on va se l'acheter pour 160, ça va, c'est tranquille. Attends, pars pas, Simon! Simon, tu peux m'entraîner à la furtivité, c'est bon, ça! Apprenti! D'accord. Ça va me coûter cher, je paye, je m'en fous, j'ai gagné de la furtivité. Attends, pars pas! Il est passé où, Simon? Simon, pars pas! Entraînement.
Encore à la furtivité, on va en profiter, hein, tant qu'on croise des entraîneurs. D'accord. Tiens, je paye, je suis blindé, je m'en fous, j'ai gagné de la furtivité, c'est très bien. Par pas, Simon, c'est pas fini. Entraînement encore, est-ce que je peux aller jusqu'à 10? J'aimerais pas commencer par perfect. Ah, il ne veut pas. Putain, cet air dédaigneux, bon, une autre fois peut-être. Alors, je m'appelle Henri, je cherche à me faire un peu d'argent. Je suis Henri de Scalis, et je cherche un peu de grain à moudre, si vous voyez ce que je veux dire. J'imagine que vous venez de la part de Pechek. Et si c'est Pechek qui vous envoie, vous ne devez pas être un imbécile fini. Je vais vous mettre à l'aise. Ah, ok. D'ailleurs, de Sasso a reçu un brocard très raffiné. Vous pourriez me l'obtenir? Ah, sans problème. Pas de problème, je serai de retour en un rien de temps. Bien. Et voilà. Il doit se trouver dans sa boutique. Apportez-moi le rouleau complet. C'est parti, on y va! C'est comme si c'était fait. Bon, il faut que je gagne en compétences de crochetage, par contre. Parce que le seul truc qui est chiant, c'est que lui, pour aller le récupérer, il n'y a pas de voyage rapide. Il faut que je me tape le passage à la main. Enfin, le chemin à la main. Et c'est chiant. On a un donneur d'activité ici. Putain, on a des quêtes à Sasso aussi. Allez, on va se rendre à Sasso. On a pas mal de quêtes à faire. Hein. Il y en a à Samopêche. Il y en a à Sasso. Putain, Sasso, il y a énormément de quêtes. Putain, c'est un truc de fou, quoi. Oh là là, le let's play va durer 10 000 ans! 10 000 ans avant que je puisse continuer. Parce qu'en fait, il faut pas que je m'avance trop dans la quête principale. Parce que si je m'avance trop dans la quête principale, il y a quelques quêtes annexes que je ne peux plus faire. Elles vont se bloquer. Du coup, là, l'objectif, c'est de torcher les quêtes annexes. Et ensuite... Putain, ça c'est le... Et ensuite, d'avancer dans la quête principale. Copain comme cochon, Simon. C'est par là. Ok, allez, on y va. Là, ça risque d'être compliqué. Je vais faire une petite sauvegarde au cas où ça foire lamentablement. Voilà. Alors, où est-ce qu'il est le brocard de Simon? Simon? Par là. Merde. Il y a un mec qui pionce. Ouh là là, le crochetage difficile, parfait. Allez, on y va. Allez, on y va. On crochette la serrure. Il y a un mec derrière qui est en train de pioncer. Donc, j'espère que... Je n'ai pas le droit d'être là. Ça, c'est un crochetage facile. On s'en cogne. Putain, il est en dessous, le bordel. Oh, un coffre difficile. Je prends. Il me faut des coffres difficiles pour monter la compétence de crochetage. Même si je vole rien de ce qu'il y a dedans. Oh, il n'y a absolument rien. C'est un coffre difficile, mais il n'y a rien du tout. Ok. Là, on s'en va. À moins qu'il soit au-dessus. À moins qu'il soit au-dessus. Dans le grenier. Ok, d'accord. Dans le grenier, il y avait un truc. Ouh, est-ce que ce serait... Non, c'est pas du tout là. C'est quoi ça? Non, ok. Bon, c'est pas dans le grenier. Ok, alors, on va faire marche en arrière. On va repartir aussi discrètement qu'on est venu. On va pas tenter le diable. Putain, le mec, il dort bien. Le mec dort très très bien. Ouvrir... On va passer par là, voilà, on va refermer la porte. Alors, c'est certainement dans son magasin. Ok, bonjour, enchanté. Comment allez-vous? Oh bordel, est-ce que ce serait le brocard? Oh. Long. Putain, mais pour aller le octon de raté. Oh, oh, oh. Bonjour, est-ce que je peux parler à Julie? Bonjour Julie. Chevalier. Parlons affaires. Parlons business. Ils ont des trucs sympas ici normalement. C'est Sasso, hein. C'est le truc le plus cher. Hein. Ouh, un joli pourpoint noir. Je peux m'acheter des trucs. Ça me sert à rien. La veste, non, on s'en fout. Je regarde un peu, j'en profite. Pour point noir, ça c'est quoi? Oh,
Pour point... Ah non, ça met trop dessus, ça. Merde. Bon, bah, tant pis. Non, bah, y'a absolument rien, là. Ah. Non, c'est... On s'en fout. Alors, le fameux... ce serait ça? Est-ce que ce serait ça? Ouh. Putain, merde, le jeu... Brevet à la mode. Ok. Putain, par contre, il y a du monde ici. Il va peut-être falloir que j'attende la pleine nuit. Récupérer chez le tailleur de sa soeur le brocart pour le meunier. Simon, quel brocart? Octon, capuche. Petit nécessaire. Je fais un repérage des lieux, ok? Octon, écharpe, coiffe. Ok, je fais chemise. C'est quoi d'ailleurs un brocart? Un octon. Oh purée. Bagri, capuche. Bagri. Bon, eh ben écoutez, vous savez quoi? Je vais passer le temps un petit peu. Quelle heure il est? Oh, putain, il est 11h. Ça risque d'être insupportable à attendre, hein. Bon, bah écoutez, on va... Et si je peux... Est-ce que je peux les brain? Est-ce que je peux maxi brain? Non. Non, elle se tourne. Fait chier, la connasse, elle se tourne. Alors, je vais essayer de maxi brain. Je vais mettre toutes les chances de mon côté et on va voir ce que ça donne. Bon, eh bien, je n'ai pas réussi à brain le jeu et à arnaquer les marchands. Donc j'ai dû attendre jusqu'à 23h que tout le monde décolle. Par chance, ces gentils monsieur dames sont un petit peu cons et ont laissé la porte ouverte. Je vais donc pouvoir m'introduire en toute simplicité dans leur boutique pour voler. Est-ce que je dois voler qui se trouve à tous les coups dans ce coffre facile? Non, pas du tout. Ah, oula. Une serrure facile que je n'arrive pas à crocheter. C'est intéressant comme concept. Dis-moi qu'elle est là parce que... pas du tout. Mais alors, pas du tout. Mais alors, c'est où? C'est quoi ce que je dois voler? Voler... Non, mais... Je dois voler quoi? C'est où? J'ai pas le droit d'être ici. Oui, j'avais compris que j'avais pas le droit d'être là. C'est ça que je dois voler? Joli brocard, d'accord. Hop. C'est ça que je dois voler, d'accord. Ben déjà, j'avais pas vu ce que je devais voler. Je croyais que c'était là. Ok. Ah, peut-être que j'aurais pu la brain, la vendeuse. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, c'est fait. J'ai attendu. Je vais apporter... le bordel à Simon et ça sera très bien pour cet épisode. Ok, on est arrivé. À tous les coups, tout le monde doit pioncer, mais bon. Est-ce que... Allez, on va tenter de les arnaquer, de le faire sortir de sa baraque pour qu'il vienne me valider la quête. Comme ça, je n'ai pas besoin d'attendre encore 150 000 ans que le jour arrive. Bonjour, combien j'ai de bouffe? Tu sais quoi, je vais me servir dans ta bouffe. Voilà, je suis dans un lieu privé. Bonjour. Bonjour, Simon. Est-ce que je peux te parler, Simon? Ou tu ne veux pas me parler? J'espère qu'il ne va pas s'enfuir comme l'autre. Vous n'avez rien à faire ici. Ok, d'accord, j'ai rien à faire ici. Ok, enchanté. Tu m'accompagnes jusqu'à la sortie? Voilà, allez, viens là. Oui, viens. Il y a un problème? Oui, non. Oh, putain. Qu'est-ce que vous manigancez? Sortez, ou j'appelle les gardes. Oui, viens là. Allez, viens encore un petit peu. Allez, ce cinéma. Viens, viens. Qu'est-ce que vous voulez? Viens, encore un pas. Oui, je peux lui parler. Voilà, c'est comme ça qu'on brain le jeu. Voilà, oh mon dieu, ce crâne luisant, je vous ai apporté l'étoffe. Je vous ai apporté l'étoffe. Oh, parfait. Prenez votre récompense. Oh, merci. Tu es très gentil, c'est très aimable à toi. 175 grossettes, putain, c'est le début de la fortune. Ou plutôt la continuité de la fortune. Eh ben écoutez, je vais pas me lancer dans une autre quête. Je vais rester là et au prochain épisode, on se lancera dans les quêtes
de Simon. Simon, en espérant que je monte cette putain de compétence en crochetage à je sais pas quel niveau. C'est quoi qu'il faut, crochetage 9 à 9, j'obtiens un nouveau point. Que je puisse crocheter les serrures très difficiles qui me manquent, là. Que je puisse finir les quêtes de Simon, finir les quêtes de Voizek. Enfin bref, tout le bordel. Voilà, et bah écoutez, nous on va se laisser là sous cette belle nuit étoilée. Et on se retrouve au prochain épisode pour la suite des quêtes avec Simon. Ciao tout le monde.